cité. Si. Non, bah, personne ne vous a oublié. Non, mais parce que. Ouais. Non, mais bon, parce qu'après, faut pas dire que Jean-Michel Aulas avait besoin absolument de parler à la presse. C'est uniquement sur sollicitation collective. En tout cas, c'est une victoire qui était mal engagée, qu'on ne voyait pas venir à la mi-temps. Oui, c'est le paradoxe de nos matchs en ce moment, c'est-à-dire beaucoup de difficultés à exprimer le formidable talent collectif. Et puis, bon, comme on a un très bon entraîneur, il a su changer le dispositif, s'adapter à l'adversaire, motiver les joueurs à la mi-temps. Et on a vu que grâce à Bruno, le déroulé de la deuxième mi-temps était totalement différent. Les joueurs ont pris conscience et confiance dans leurs possibilités qui sont immenses. Cette équipe, elle peut aller très loin. Et la démonstration du match aujourd'hui en atteste complètement. On ne peut pas faire abstraction de la première mi-temps quand même. Non, pas du tout. Bien sûr, on a. Vous savez, quand on est président, on souffre au carré ou au cube plus que les supporters et que les gens de médias. Donc c'est vrai que bon, quand je vois quelquefois on est critiqué à tort, je me dis qu'est-ce qui va se passer demain puisque la première mi-temps n'était pas très très bonne. Donc voilà, mais bon, on a cette formidable équipe, on a des grands joueurs qui sont en plus de grandes personnalités. Ils avaient joué mercredi, bon ça je pense que vous vous en souviendrez, qu'on jouait contre une équipe qui était plus fraîche que l'Olympique Lyonnais. Donc la première mi-temps peut expliquer, c'est vrai, une difficulté de mise en route. Et donc voilà, on va retenir le résultat qui nous est favorable, qui nous permet de nous rapprocher de Lille qui hier soir n'a pas gagné sur son terrain. Et se souvenir que voilà, les semaines comme celle-ci, les semaines de Champions League, on peut quand même, même si l'adversité est coriace et même si c'est mal engagé, grâce à un peu de vivacité, puis aussi un grand coaching de Bruno, s'en sortir et ramener les trois points, ce qui nous fait vraiment très plaisir. Et un grand Memphis, alors là, joueur... Ouais, bon, c'est là aussi le paradoxe. Memphis qui, quelquefois, n'est pas critiqué, mais on fait toujours des exégèses ou des analyses qui sont, à mon avis, très, très réduites, à démontrer, et par la qualité de son match, mais aussi par ses démonstrations, qu'il a une très forte personnalité. Alors moi, je préfère avoir de très bons joueurs qui ont des personnalités avérées qu'avoir des joueurs moyens qui n'ont pas de personnalité. Et Memphis a fait un très grand match, deux passes décisives, deux buts, si j'ai bien suivi le match. Et vraiment, il a démontré quelquefois un talent, y compris au moment où M. Le Sage l'a sanctionné d'une main au visage dont il n'était pas responsable, des gestes et des enchaînements qui sont dignes véritablement de la qualité de Memphis. Et souvent, comme ces grands joueurs, il est non seulement efficace pour marquer des buts, mais aussi c'est le meilleur passeur. Donc ça veut dire qu'il est apprécié de tous les autres joueurs, parce qu'ils savent que quand il rentre, un garçon comme Maxwell qui rentre et qui vient marquer un but dont il avait vraiment besoin, bah, il sait qu'il le doit aussi à Memphis. Donc ça crée une collectivité. Et ce soir, ils étaient très heureux dans le vestiaire. On a profité pour parler un peu et effectivement pour essayer de trouver des solutions à ces matchs qui quelquefois ne sont pas aboutis sur la durée. Mais je me dis que d'ici la fin de saison, on va avoir des matchs aboutis. J'espère qu'on en aura un ou deux d'ici la fin de saison, en particulier en Champions League, pour pouvoir se qualifier. Et on reste qualifié dans toutes les compétitions. Donc il ne faut pas être trop dur avec mes joueurs, parce que je pense que quelquefois les fans vous écoutent trop et ils deviennent très exigeants et très injustes avec mes joueurs. Et moi, j'ai besoin de mes joueurs vraiment à leur plus haut niveau. Et franchement, on a et de grands joueurs et beaucoup de grands joueurs. Donc avec les grands joueurs, il faut être exigeant. Il faut être évidemment exigeant. On l'est, mais il faut savoir aussi, je pense, pouvoir échanger, pouvoir traduire cette exigence en confiance, ce qu'on essaye de faire. Mais bon, quand on voit la qualité de la deuxième mi-temps, on se dit que, bon, bien sûr, Guingamp avait des raisons, un peu comme on l'a eu dans les dernières minutes d'Offenheim, de douter.
Mais c'est vrai que c'est aussi un gage de pouvoir être à la fin. Et si on arrive à se qualifier, quel que soit le nombre de clubs français en Champions League, pour la suite des événements, on sera évidemment très heureux parce que c'est l'objectif premier. Deuxième objectif, c'est de finir sur le podium. Et dans ces deux compétitions, pour le moment, on est parfaitement en ligne avec les objectifs demandés à Bruno. Et une fois de plus, je redis que je suis pleinement satisfait de ce qu'a fait Bruno encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez Memphis ? Chez Memphis, c'est cette aptitude à maîtriser les événements. Même quand il est mal parti, si on lui démontre beaucoup d'attention, beaucoup de confiance, beaucoup de valorisation extérieure, il prend comme un défi de pouvoir faire éclater son talent et de le servir au niveau du collectif. Donc c'est une personnalité qui est différente des autres, qui est exceptionnelle. Et il a un talent fou, mais le talent, il s'exprime en même temps que sa personnalité. Donc c'est quelquefois sur courant alternatif. Donc il faut l'accepter. Mais ceci étant, quand on l'accepte et qu'on joue le jeu, on a un atout considérable dans l'équipe. Président, cette semaine, on a vu aussi les Football Leagues, le fichage ethnique au Paris Saint-Germain. Comment vous avez réagi en prenant connaissance de ça ? On ne peut pas ne pas réagir négativement. Bon, évidemment, il y a ce qui est transcrit. Bon, je connais un petit peu les gens du PSG, puisque ce sont eux qui sont montrés du doigt pour dire que ce ne sont pas des gens qui ont une attitude négative sur le plan ethnique. Ce ne sont pas des gens qui, par définition, ont fait les choses de manière spontanée ou de manière dirigée. Bon, je crois qu'il y a un contexte, quelquefois... on ne va pas dire qu'il est exploité, mais il est présenté de manière totalement négative. Bon, ceci étant, ça ne doit pas exister dans le football. J'en ai parlé tout à l'heure avec Noël Legret avant le match. Évidemment, la fédération qui a parfaitement réagi et tous les gens de bonne foi, de bonne je dirais équité en matière d'éthique et de mentalité ne peuvent que regretter tout ça. Et voilà, il faut trouver des solutions pour que d'une part ça n'apparaisse pas et puis que ça n'existe pas dans la réalité des choses. Vous avez, en tant que président, dû vous garantir que ça n'existait pas au sein de votre club, puisque manifestement, PSG n'était pas au courant. Oui, on n'est jamais à l'abri, évidemment, de choses qui n'ont pas été totalement maîtrisées. Mais ceci étant, on essaye chaque année, en début de saison, au niveau de l'association, au niveau de tout ce qui est éducation, de faire des rappels, non seulement pour les éducateurs, mais aussi pour... Les élèves, pour les stagiaires, de manière à faire en sorte que tout le monde sache que les convictions en matière d'éthique, d'intégration, d'équité, de mixité aussi, bon, et Lyon, de ce côté-là, je pense, peut en apporter beaucoup. Ça s'appelle la RSE, il faut arriver à expliquer les choses simples, et puis, non pas vérifier, mais s'assurer dans le temps que les choses se perpétuent. Donc on va en profiter du fait du contexte pour refaire un examen interne très, très précis pour être sûr qu'il n'y a pas de choses qui peuvent être reprochables parce que ça détruit toute une action et Lyon, l'OL a besoin non seulement d'être irréprochable sur le terrain mais d'être irréprochable en dehors du terrain, surtout quand on a les résultats qu'on connaît en matière d'académie puisque Lyon vient de monter d'une marche sur le plan européen, on est deuxième, donc il faut être deuxième sur le plan des résultats, mais il faut être aussi premier sur le plan de l'éthique et on va continuer d'y travailler. Vous croyez à la version parisienne qui parle du fait d'un seul homme ? Écoutez, moi j'ai une très grande confiance dans ce que dit Jean-Claude Blanc. C'est quelqu'un qui assume et qui est un dirigeant exemplaire. S'il le dit, c'est qu'il a les raisons de le penser. Bon, après... d'une part, ce n'est pas mon rôle de vérifier que c'est vrai, mais j'ai plutôt tendance, pour répondre à votre question, à croire que, et à penser qu'il est parfaitement légitime de le dire parce que c'est la réalité. Merci.